Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Nations Glory News. Donc aujourd'hui on va apprendre à décoller safe et à se poser safe sur la Lune. Donc pour décoller safe, donc vous aurez besoin de vous faire une structure donc fermée, donc avec juste un endroit ici donc qui sera quand même bouché par le panneau solaire, donc qui servira à fournir l'électricité. Et donc on va tout de suite entamer donc par les crafts. Donc vous pour faire décoller votre fusée, vous aurez besoin donc d'un fuel loader, donc qui se craft ainsi donc avec des compressés steel, des compressés aluminium, une canister et un basic woofer. Ensuite, vous aurez besoin de launchpad donc pour roquette, donc qui se craft avec du compressé d'iron et des blocs of iron, donc, des blocs de fer et du fer compressé. Vous aurez besoin d'une fusée, ça paraît logique. Et vous aurez besoin d'une source d'énergie, donc moi je vais prendre un Advanced Solar Panel. Vous aurez ensuite besoin de fuel canister, donc qui seront remplis. Donc voilà, donc on va tout de suite charger le profil. Donc j'irai avec casque et placement Onyx et Speedleg Jump Boots, vous n'êtes pas obligé. Sachant qu'il faudra enlever les Jump Boots. Ensuite, il vous faudra aussi au minimum un parachute. Donc, moi je vais prendre un bleu. Et voilà. Donc, je vais tout de suite re-sauvegarder ce profil au cas où. Donc, le système redstone. Donc, c'est tout simple. Vous aurez besoin au milieu de mettre un bloc. Donc, vous aurez besoin d'avoir un centre. Et donc, vous aurez besoin de deux tripwires. Donc, disposés comme ça. Donc, en dessous du centre. Ensuite, vous mettrez une torche derrière le bloc où il y a le tripwire. Et ensuite, vous allez faire une traînée de poudre qui ira jusque là, donc pour alimenter ce piston-là. Attention toutefois à ne pas mettre le bloc de quartz ici un poil au-dessus, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il faut bien respecter ce format-là. Ensuite, ici, vous mettrez un répéteur qui a 4 tics. Donc, comment on fait pour changer le tic d'un répéteur? Vous avez juste à faire clic droit dessus. Donc, vous cliquerez 3 fois dessus. Et voilà. Et ensuite, vous mettez une traînée de poudre de redstone juste qui est au-dessus de ce bloc. Donc, ça va alimenter ces deux pistons. Ce qui fera que quand on va passer ici, tout va s'éteindre dans l'ordre. Et du coup, la fusée pourra passer. Donc, maintenant, je vais me mettre en game. En game mode 0 et je vais vous apprendre à faire décoller la fusée. Donc dans un premier temps vous aurez besoin de vous mettre un parachute, vous aurez besoin de tank à oxygène, donc je vais me les prendre directement comme ça moi, donc il en faut deux. Ensuite vous aurez besoin de Tac, on va aller là-dedans, on va aller dans mode, et vous allez sélectionner Galacticraft Core et Galacticraft Mars. Et donc, vous aurez besoin de ça, donc d'oxygène gear. Vous aurez besoin d'un masque à oxygène, donc qui est là. Et vous aurez besoin d'un frequency module. Donc c'est pour entendre le son sur Mars ou sur la Lune. Donc ensuite, donc, vous allez mettre, et voilà. Donc ensuite donc moi donc je vais les jeter puisque bah je n'en aurai pas d'utilité. Donc voilà. Donc ensuite donc à partir d'ici on va passer au placement de la fusée et tout. Donc en dessous de votre centre vous allez placer un truc. Et ensuite vous allez l'entourer d'autres launchpads. Comme ça. Ensuite vous allez ici poser votre panneau solaire. Puis vous allez mettre des fils. Donc vous allez d'abord l'activer, puis mettre des fils. Voilà, donc moi j'en avais besoin de 6. Donc par contre là, juste histoire qu'on ait, voilà, de quoi faire de l'énergie. Ensuite, pour finir, vous aurez besoin de placer votre fuel loader ici. Donc de façon à ce qu'il soit relié à ça. Donc par contre, je vais avoir besoin de plus de câbles, donc je vais les prendre directement ici. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, donc, vous avez votre fuel loader qui va être rechargé en énergie. Et là, donc, vous allez poser votre fusée. Donc,
Là, donc normalement ici on n'est pas censé pouvoir rentrer, donc vous mettrez des blocs pour pas qu'on puisse passer. Donc ensuite donc vous allez aller chercher vos fuel canisters et vous allez les mettre donc dedans. Donc vous remplissez, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, il me semble que 2 ou 3 canisters suffisent, mais je préfère le remplir entièrement moi au cas où que ça suffise pas. Donc normalement ça suffit tout le temps hein, mais voilà. Donc ensuite donc vous pouvez tout reposer. Et voilà. Et donc là tout est prêt, vous avez plus qu'à faire load fuel. Donc là ça commence à charger. Donc vous voyez que le fuel descend. Et si on en a la fusée, donc vous pouvez voir ici les commandes, donc appuyer sur espace pour lancer la fusée. Ensuite, vous pouvez diriger la fusée, mais je vous conseille de ne pas y toucher afin de pouvoir passer par le petit trou qui se passe là. Et ensuite, vous appuyez sur F pour voir l'inventaire ou le fuel. Donc, vous voyez que le fuel est en train de se recharger. Donc, je vais attendre que ce soit fini. Et voilà. Maintenant que c'est fini, vous appuyez sur espace. Donc maintenant donc vous avez la fusée donc qui va commencer à faire du bruit donc pour décoller. Et maintenant vous avez plus qu'à attendre. Donc on va faire le petit compte à rebours. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Donc vous voyez, on va se bloquer ici et hop, il y a le petit passage qui va s'ouvrir et on va pouvoir passer. Donc là on passe tranquille et tout. Et donc maintenant on se retrouve au-dessus de du monde. Donc voilà. Et alors maintenant, donc, vous voyez à gauche, donc c'est ici là. Donc vous voyez à gauche que il y a la petite barre de la fusée. Donc pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc le skin est totalement buggé, cherchez pas à comprendre. Donc vous voyez votre skin sur la fusée, mais voilà, c'est totalement buggé. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous allez cliquer sur la dimension où vous voulez aller. Donc moi personnellement, je souhaite aller sur Mars. Vous allez cliquer sur Mars et vous allez cliquer sur Send to Dimension. Donc là, donc j'ai déjà préparé quelque chose donc, que je vais vous montrer donc une fois qu'on sera retombé. Et voilà. Là donc, vous voyez, là c'est pour bloquer la fusée pour pas qu'on puisse se la faire exploser par des creepers. Donc je vais vous montrer le système. Donc après, donc vous pouvez descendre et là vous pouvez casser le l'espèce de truc bizarre là. Et voilà. Une fois qu'il se casse, il y a tout qui drop. Et voilà. Et vous pouvez récupérer votre fusée. Donc, ce système, comment est-ce que je l'ai fait? C'est tout simple. Donc, attendez. Voilà. Pourquoi autant? Donc, vous prenez des tripwires. Et donc, j'ai fait une petite structure. Donc, pareil, avec un centre. Mais cette fois-ci de 3x3. Vous allez mettre un tripwire sur les deux côtés. Vous allez mettre des pistons sur les trois ici. Et sur les milieux de ceux-là. Et encore une fois, trois ici. Ensuite, à la sortie des tripwires, donc à l'arrière, donc ici là, si je casse ce bloc là, derrière il y a le tripwire. En fait, derrière ce bloc, vous allez mettre un fil de redstone suivi d'un bloc sur lequel vous poserez un fil de redstone. Et là, c'est très important, vous mettez une demi-dalle, donc sur laquelle il y a de la redstone et vous faites monter la redstone comme ça. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire une boucle autour du truc. Et comme ça, maintenant, quand ça tombe, et ben, ça va tout fermer, vous voyez? Et voilà. Donc sur ce, donc c'est la fin de ce tutoriel. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Donc ce tutoriel a été présenté par Dream of Playing. Donc le lien de ma chaîne sera dans la description. Et donc on se retrouve pour un prochain tuto. Sur ce, bye!